Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue, voici tout de suite nos titres. Les membres de la plateforme de l'opposition RMDM et du TIM n'intégreront en aucun cas le nouveau gouvernement qui sera remanié selon le président du groupe Beni Panouch, Marc Ravalman, ce jour lors de la célébration du deuxième anniversaire de la plateforme. L'opposition va changer de stratégie et ils sont en train de se concentrer pour mettre au point leur politique. Le prix d'un sac de charbon a connu une hausse depuis cette semaine, confirment les vendeurs. Cette hausse est d'environ 5 000 alliages, mais à part cela, l'approvisionnement en charbon de bois dans la capitale se fait aussi rare d'après les explications. La vigilance est toujours de mise malgré une baisse conséquente du nombre de nouveaux cas de COVID-19 selon la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ce jour. Ainsi, les actions à mener dans la riposte contre la pandémie doivent toujours être coordonnées pour des résultats palpables de la maîtrise de la pandémie jusqu'ici observée à Madagascar. Pour terminer, l'attaquant argentin Lionel Messi a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain, PSG, rapporte mardi le journal L'Équipe et RMC Sport. Actualité politique pour commencer notre édition. Les membres de la plateforme de l'opposition RMD et ceux du parti TIM n'intégreront en aucun cas la nouvelle formation du gouvernement en cas de remaniement. Selon le président du Rudbehe Nipanouch, Marc Ravalman, ce jour, lors de la célébration du deuxième anniversaire de la plateforme, l'opposition va changer de stratégie et ils sont en train de se concentrer pour mettre au point leur politique. Dans son discours, le président du RMDM a souligné que la plateforme ne baissera pas les bras et maintiendra son engagement ferme en tant que partie opposante face à la gabegie dans la gestion du pays actuellement. Écoutez. Célébration du deuxième anniversaire de la plateforme de l'opposition RMDM ce jour au Maghreb Ibrik. Pour l'occasion, plusieurs membres de la plateforme se sont réunis dans l'objectif de montrer leur unité et l'existence de l'opposition à Madagascar. Les critiques envers le gouvernement actuel ont fusé, notamment celle d'avoir failli à sa mission selon le président du RMDM, Marc Ravalmanan. Plusieurs secteurs souffrent des impacts négatifs de la COVID-19 alors que le pouvoir actuel n'arrive pas à trouver des solutions adéquates. Questionné sur le remaniement gouvernemental, Marc Ravalmanan rétorque que les membres de la plateforme de l'opposition RMDM et ceux du TIM n'intégreront en aucun cas le nouveau gouvernement à remanier. Lui de préciser qu'ils n'entreront pas dans ce gouvernement incompétent. Lui et ses pairs se concertent actuellement pour mettre au point leur politique, d'où leur parti va changer de stratégie. Dans son élan, le président du RMDM a réitéré l'engagement et la détermination de ses pairs à dénoncer avec vigueur la gabegie du gouvernement actuel. Dans les actualités de ce jour également, le prix d'un sac de charbon a connu une hausse depuis cette semaine, confirment les vendeurs. Cette hausse est d'environ 5 000 alliages, mais à part la hausse, l'approvisionnement en charbon de bois dans la capitale se fait aussi rare. D'après les explications, pour les usagers, leur habitude à utiliser du charbon repose surtout sur leurs moyens financiers. Les membres du Parti Vert de revendiquer la prise de responsabilité du ministère de l'Environnement par rapport à ce problème. Les usagers et les vendeurs de charbon se sont plaints de la hausse du prix de ce dernier. Cette hausse a été constatée depuis cette semaine. Si le prix d'un sac était entre 12 000 à 15 000 ariars, cela s'achète à 20 000 ariars et plus actuellement. À part cette hausse du prix, l'approvisionnement dans la capitale se raréfie aussi, peu à peu, d'après les explications des vendeurs. Cette mère de famille qui commercialise le charbon de bois explique qu'elle avait l'habitude de commander 40 sacs de charbon d'un coup auparavant, mais qu'actuellement elle ne reçoit que 10 sacs maximum. Selon elle, cette baisse de ravitaillement est peut-être due aux difficultés d'approvisionnement en arbres à couper. Pour les usagers qui utilisent du charbon au quotidien, ils n'ont pas le choix et doivent s'adapter à la situation.
Pour ce vendeur de nourriture cuite, il ne peut pas se permettre d'utiliser du gaz selon lui et doit ainsi diminuer la quantité de nourriture à vendre suite à cette hausse du prix du charbon. Face à cette situation, les membres du Parti Vert disent que le ministère de l'Environnement devrait prendre sa part de responsabilité hors du ministère du Commerce. La politique forestière n'a toujours pas encore été mise en place, ce qui provoque ce problème. Il est évident qu'il existe encore une réticence pour l'utilisation du gaz domestique auprès des Malagasy, notamment au niveau des moyens dont il faut disposer pour migrer du charbon vers le gaz. La plupart estiment ne pas avoir le choix que d'utiliser du charbon de bois, bien que ce produit admet une hausse, rapportent les membres du Parti Vert. Les juges auprès de la Cour d'appel et du tribunal de première instance sont actuellement confrontés à des problèmes de manque d'équipement dans l'accomplissement de leur travail, rapporte le secrétaire général du ministère de la Justice. Parmi les concernés figurent les agents auprès de la FJPA ou frais de justice pénale et assimilés, un service réservé à la perception des amendes de peine prononcées par les tribunaux, la FDO, Agence française pour le développement à travers le projet d'appui à la justice à Madagascar, a fourni 4 motos aux tribunaux d'Antananarivo et de Thomasina. C'est un reportage signé Rina Solomon-Boucha, Ivra Sata. Le FJPA aux frais de justice pénale et assimilée a été mis en place depuis 2014 pour assurer la perception des amendes et d'autres frais assimilés imposés par les tribunaux. À ce jour, les matériaux disponibles ne suffisent toujours pas pour effectuer le recouvrement des peines ou amendes imposées par les tribunaux, a déclaré le secrétaire général du ministère de la Justice. Ce service garantit pourtant une grande partie du bon déroulement des affaires judiciaires. Il constitue une des premières difficultés rencontrées par les tribunaux malgaches. Et pour y faire face, nous devions trouver des alternatives pour apporter des ressources financières supplémentaires en complément des crédits du budget général. Ainsi, les services du FJPA ont été mis en place et contribuent également à l'effectivité des décisions des justices prononcées par les cours et tribunaux du pays pour l'instauration de l'état de droit. Nous sommes donc particulièrement heureux de recevoir ces matériels pour les services du frais de justice pénale et assimilés qui nous promettons de recevoir toutes les amendes pénales prononcées par les tribunaux. Les difficultés auxquelles font face les différentes juridictions de Madagascar dans la réalisation des tâches qui leur sont assignées, manque de personnel, défaut de matériel ou insuffisance de budget. À cela s'ajoute le phénomène de la COVID-19 qui a eu un impact vraiment très important et non négligeable sur la réalisation des missions du ministère. Malgré toutes ces difficultés, je tiens à saluer les efforts louables consentis par l'ensemble du personnel de la justice. En effet, ensemble, nous avons pu trouver des moyens pour faire tourner la machine judiciaire. C'est également fort de l'appui de nos partenaires que le ministère de la Justice a pu aller de l'avant. Et à ce titre, permettons-moi de souligner particulièrement le soutien de l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à la justice à Madagascar. Pour faciliter la mise en œuvre et la célérité des activités, l'AFD, par le biais du projet d'appui à la justice à Madagascar, ou PAJMA, a donc fourni 4 motos à la disposition de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance d'Antananarivo et de Thomasin. Interrogé sur l'affaire Apollo 21, le secrétaire général du ministère de la Justice a déclaré que la date pour la prochaine comparution des prévenus n'est pas encore déterminée. L'enquête au fond de ces individus est encore en cours. Dans un tout autre sujet, plusieurs régions et districts de la Grande Île bénéficieront de l'approvisionnement en électricité et de la réhabilitation de routes grâce à la deuxième phase du projet PIC 2 adopté par les sénateurs ce jour. Un prêt de 15 millions de dollars qui est remboursable durant 20 ans est destiné à ce projet. Le ministre de l'Économie et des Finances de dire que ce prêt est essentiel pour mener à bien les projets de développement du pays. De leur côté, les sénateurs exigent la transparence
dans la gestion de ce financement. Zoura Barzona, Ruzo, Andjemblul Mandatu. Un prêt de 15 millions de dollars avec un taux d'intérêt à 0,1% par an, tel est le financement de la deuxième phase du projet PIC 2, ce qui est mentionné dans le projet de loi. Le projet est destiné à l'amélioration de l'accès énergétique et des infrastructures routières dans la région de Diana et d'Atsimouanjefan ainsi que dans le district de Sainte-Marie. Les sénateurs présents ont voté à l'unanimité cette loi sur la deuxième phase du projet PIC 2 volet énergie, conclu le 4 mars 2021 entre la République de Madagascar et le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID ce jour au Palais Vert. Les techniciens du ministère de l'Économie et des Finances ont durement travaillé pour convaincre les bailleurs à financer cette deuxième phase du projet. Le fait de contracter un prêt auprès des bailleurs de fonds est tout à fait utile s'il s'agit de le destiner réellement au développement du pays, d'après toujours le ministre de l'Économie et des Finances. Pour le district de Sainte-Marie, 34 km de route seront réhabilités par ce projet PIC 2 phase 2. Le vice-président du Sénat de remercier le président de la République d'avoir pris en compte de ce district. D'autre part, le prêt de 150 millions de dollars alloué au PIC 3 a été également voté au Sénat ce jour. Et puis le financement accordé par le Fonds malgache de la formation professionnelle, le FMFP, permettra de renforcer la croissance économique de Madagascar, selon le président du Conseil de la gestion de l'OSTI. Ce financement à hauteur de 300 millions d'AGIAR aidera à la création de travail décent. D'après ses explications, cet appui profitera à toutes les entreprises cotisantes, selon la présidente du Conseil de gestion du FMFP, Mikan Djemblaza Arfidi Hakoutmanal. Le Fonds malgache de la formation professionnelle, ou FMFP, a accordé un financement de 300 millions d'ariary à l'OSTI. Cet appui permettra d'améliorer la croissance économique de Madagascar, selon la présidente du conseil de gestion de l'OSTI. Ce financement permet au renforcement de capacité des personnels des établissements de santé au service des entreprises sur les maladies émergentes, chroniques, ainsi que des bases de sécurité de santé au travail et la capitalisation des pratiques de gestion de la pandémie de COVID-19. À part cela, les responsables des établissements et tous les préposés à la santé seront formés sur les réflexes et les préceptes de la sécurité et de la santé au travail afin d'améliorer leur niveau d'alerte au quotidien. Au niveau national, les services médicaux dédiés aux travailleurs des entreprises affiliées pourront délivrer de meilleurs soins, de diagnostics et de thérapies appropriées afin d'écourter le délai de traitement. Le but étant d'accompagner les travailleurs vers un prompt rétablissement. Au-delà de cela, ces services pourront ainsi prodiguer des actions de prévention et de sensibilisation afin de limiter les accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que les infections liées aux pandémies. Le projet s'étalera sur 4 mois et cible 750 médecins. La formation sera effectuée dans 4 provinces, dont Antananarivo, Majunga, Tamatave et Fenaratsu, ainsi que la ville d'Antirabé. Toutes les entreprises cotisantes jouiront de ce type de financement, selon toujours la présidente du conseil de gestion du FMFP. Dans le reste des actualités, la vigilance est toujours de mise malgré une baisse conséquente du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Selon la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ce jour ainsi des actions à mener dans la riposte contre la pandémie doivent toujours être coordonnées pour des résultats palpables, d'où la maîtrise de la pandémie jusqu'ici observée à Madagascar. Mamsian Djemblula, Omega Nelson. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a participé de manière active dans la lutte anti-COVID-19 depuis mars 2020, où le premier cas positif de COVID-19 a été détecté dans la Grande Île, selon le représentant de l'USAID. Raison pour laquelle ce département a reçu de nombreux appuis jusqu'à ce jour afin d'accélérer les actions à mener. Le ministère de l'Eau a été ainsi doté de matériel informatique fin 2020 afin de renforcer le système de gestion de l'information et de coordination de la lutte contre la COVID-19, dont la valeur s'estimait à 20 000 dollars américains. Des équipements de protection ont aussi été octroyés pour les agents en première ligne dans les 13 régions les plus touchées par la pandémie. C'est donc pour assurer la continuité des actions déjà menées jusqu'ici que de nouveaux appuis ont été remis au ministère. Cette remise de sous le pouvoir s'inscrit dans le cadre du plan de réponse national face à la COVID-19, qui a un impact profond à Madagascar et qui a requis une adaptation à tous les niveaux
pour assurer la continuité des activités et apporter des réponses adéquates en matière de promotion de l'hygiène et d'accès à l'eau potable. Et c'est précisément l'approche de l'USAID. Nous adaptons nos programmes dans tous les secteurs de développement pour surmonter les difficultés engendrées par cette pandémie de COVID-19. Les appuis reçus par le gouvernement malgache, notamment par le ministère de l'Eau, a permis de maîtriser la pandémie à Madagascar. Toutefois, la vigilance est toujours de mise, raison pour laquelle de meilleures conditions et coordination des actions sont à renforcer. Ces matériels et produits d'hygiène pour la désinfection sont donc les bienvenus. En effet, depuis mars 2020, Madagascar a porté son premier cas de personne atteinte du COVID-19 et grâce à l'effort de tous, grâce aussi à la grâce de Dieu et au leadership du président de la République, Andry Rajoelil, nous avons pu maîtriser ce fléau mondial. Depuis lors, vous nous avez toujours assisté pour maîtriser les nombres de cas et jusqu'à ce jour, les résultats sont là. 60 pulvérisateurs, 60 bidons de 20 litres de désinfectant, 34 cartons de savon ainsi que 400 dispositifs de lavage des mains ont été remis au ministère ce jour. Et passons tout de suite aux actualités internationales qui ont marqué ce jour. Football, l'attaquant argentin Lionel Messi a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain. PSG rapporte mardi le journal L'Équipe et RMC Sport. Les détails avec France 24. C'est un transfert gratuit et le salaire de Lionel Messi se situera entre 35 et 40 millions d'euros par an. C'est évidemment une opération exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football et peut-être le meilleur joueur du monde encore aujourd'hui, malgré ses 34 ans, qui rejoint le Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est une énorme surprise parce que même si l'an dernier, Lionel Messi avait signifié ne plus vouloir jouer au Barça en raison de l'administration du club à l'époque, cette année, il s'attendait à jouer pour son club. De cœur. On a vu sa surprise, évidemment, lors de cette conférence de presse. Toutefois, le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs mois, préparait cette arrivée possible, notamment en nommant un Argentin, Mauricio Pochettino, entraîneur du club. Et les propriétaires qataris du club souhaitent évidemment continuer à développer le Paris Saint-Germain, en vue notamment de la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. Point final de cette édition. L'information continue sur TV Plus Madagascar à 19h30 dans le journal en version malgache. C'est tout de suite.